Dans le fond, je montre ce truc-là pour avoir des vies, pour obtenir beaucoup de vies en début de partie. Parce que plus tard dans le jeu, il y a un spot de la forêt dont je ne suis pas rendu encore, puis que je peux pas vraiment vous montrer dans ma nouvelle game. Mais dans celui-là, comme vous pouvez voir, quand on est sur la grille, on peut frapper les ennemis à la tête juste avec nos pieds, là, ben, notre derrière, ben, plus la section du bas de Mario. Les ennemis qui sont sous la grille, qu'on peut donner des coups de poing, ça sert à rien. Le score se stack pas, parce que le principe, c'est le même principe que quand on envoie une carapace dans plusieurs ennemis, ou même qu'on saute à répétition. Les scores se multiplient 200, 400, 800, 1000, en tout cas. Fait qu'en faisant ça, vous pouvez avoir pas mal de vie directe en début de partie. Puis ça risque de vous aider beaucoup. Surtout si vous voulez pas avoir un game over. Mais le truc aussi, c'est de ne jamais aller à terre du moment où ce que vous commencez à monter sous la grille. Puis c'est de frapper le plus possible les tortues avec le derrière de Mario sans les frapper avec les poings. Comme là, je l'attends, bam, une vie. C'est à peu près ça.
Bon, dans le fond, cette partie-là, c'est juste pour vous montrer que même si vous avez détruit un château, vous pouvez y accéder par un truc en pesant L et R.